Je suis ravie de vous retrouver pour une canalisation sentimentale aujourd'hui. J'espère que vous allez tous bien. Allez, c'est parti pour une canalisation sentimentale aujourd'hui. Ce tirage vous parle, c'est qu'il vous est destiné. S'il ne vous parle pas, c'est qu'il ne l'est pas, tout simplement. C'est parti. J'aimerais que les choses avancent entre nous. J'aimerais vraiment pouvoir mener notre relation à un niveau supérieur. Avec toi. Qu'on puisse avoir une belle évolution tous les deux. Qu'on puisse partir peut-être à la découverte du monde, se découvrir en tout cas, déjà nous deux. Et que les choses puissent avancer de la meilleure des manières possibles. Merci d'être patient, d'être aussi douce, d'être aimant envers moi. Merci pour ça. J'adore quand tu es comme ça. C'est vraiment quelque chose qui me fait du bien. Qui me réconforte. Parce que des fois, je me sens si seule dans ma vie. Parfois, je me sens éloignée de tout, éloignée de toi. Et ça peut être problématique. J'ai envie de m'investir avec toi. J'ai envie de partager des bons moments. J'ai même envie de m'engager. J'ai confiance en nous. J'ai envie vraiment d'y croire. De croire à notre relation, de croire à notre lien. Même si pour l'instant, il a été instable. Fait de haut et de bas. De très haut, comme tu le sais. De très bas aussi, dont tu as fait des frais. Je sais que notre lien existe pour quelque chose. Je sais que notre lien est beau. Je sais que notre lien est magnifique. Je sais qu'il y a quelque chose qui fait qu'on est reliés tous les deux. Pour l'instant, tout ce que je t'ai proposé, c'est pas quelque chose à long terme. Je sais que je devrais. Je sais que ça t'a affecté. Je sais que t'aimerais qu'on soit en couple, que les choses avancent, que les choses bougent, qu'on puisse peut-être, pourquoi pas, habiter ensemble. Mais ça s'est écroulé. C'est écroulé parce qu'il y arrivait quelque chose. Quelque chose qui a signé comme une pause pour nous deux. Une pause qui n'était pas du tout prévue. J'essaye vraiment d'écouter les signes de la vie. Pour arriver à prendre une décision. Pour arriver à ce qu'on m'aide à prendre une décision. Comme si une grande puissance pouvait m'aider. Je sais que ton amour est solide, ton amour est sincère. Ton amour est vrai. Ton amour est véritable. Je sais que ton amour est inconditionnel. Et j'aime cette sincérité. C'est ce qui peut vraiment faire que notre union marche. La sincérité de cet amour.
J'ai besoin d'y voir plus clair. Peut-être tu l'as compris. Peut-être tu le ressens. Peut-être tu le vois dans mes actions, dans mes mots. J'ai besoin d'y voir plus clair pour donner le renouveau à notre relation, pour transformer tout ça, pour changer tout ça, pour bouger tout ça. Je me sens un peu perdue en ce moment. Mais je sais que j'ai besoin qu'on se voit. J'ai besoin qu'on se donne des rendez-vous. J'ai besoin de te voir. Même si en ce moment, il peut y avoir moins de messages, moins d'appels, moins de rendez-vous. J'ai peur. Je veux vraiment que tu saches que j'ai peur. J'ai peur de changer de vie. J'ai peur de lâcher des choses. J'ai peur du nouveau. Tu sais, parfois la nouveauté peut faire peur. La nouveauté peut impressionner. Je sais que tu ressens ma peur. Peut-être même que toi aussi, tu as peur. Pourtant, tout ce que j'aimerais au fond de moi, c'est qu'on puisse avancer tout en sérénité. Que tout aille bien, que tout soit simple, que tout soit léger. J'aimerais pouvoir te proposer quelque chose sur le long terme. Quelque chose qui ne s'arrête jamais. Quelque chose qui n'a pas de fin. Parce que c'est ce que tu mérites. Porter notre relation à un niveau supérieur. Grandir ensemble. Évoluer ensemble. Vieillir ensemble. Et je sais que tout ce que je te propose en ce moment, c'est pas très cool. En ce moment, tu peux attendre de mes attentions. Tu peux attendre mes appels, tu peux attendre plein de choses de moi que je t'apporte pas en ce moment. Je sais que c'est dur. Je sais même que parfois, tu peux avoir l'impression de mendier mes attentions. C'est pas très cool. Tu peux même perdre confiance en toi. Tu peux même te dire que finalement, tu n'es pas quelqu'un d'aimable. Tu n'es pas quelqu'un sur qui on s'arrête. Tu n'es pas quelqu'un qu'on peut aimer. Tu n'es pas quelqu'un qu'on peut désirer. Je sais que ça peut te ronger. Je sais que ça peut te faire du mal. Je sais que ça peut te miner. Je sais que ça peut te rendre malade. Que ça peut te faire pleurer. Tu peux avoir du chagrin. Tu peux avoir ce sentiment d'être seul. Seul dans cette relation, seul à porter cette relation. Seul à vouloir que les choses s'arrangent. Seul à vouloir que les choses évoluent dans le bon sens. Je sais que tu veux énormément de choses. Et que là, tu peux te sentir désemparé. Tu peux avoir l'impression de subir cette relation. Tu peux avoir l'impression
ne pas contrôler la chose. Je parais si loin pour toi. Je parais si loin et distant que ça peut te troubler. T'as l'impression que notre lien en ce moment est en crise. Notre relation subit une crise. T'as l'impression que c'est dur. Tu te dis même que finalement, au fond, je t'aime pas. Peut-être. C'était que de l'affection, de l'attachement, de l'amitié. Et puis que je suis pas amoureux de toi. Que j'ai pas d'amour pour toi. Parce que ce manque d'attention fait que t'arrêtes pas d'y penser. Tu dis c'est pas possible. Il n'y a pas d'amour. Et je te comprends. Je sais que t'as du mal à dormir. Je sais que parfois le matin, t'aimerais rester dans ton lit et ne pas avoir à affronter la journée. Parce que parfois tu peux être découragé. Tu peux avoir des fois envie de renoncer. T'as parfois envie de t'abandonner. Mais je sais aussi que tu veux nous laisser une chance. Je sais qu'au fond de toi, au fond de ton âme, t'as envie de nous laisser une chance. T'as envie d'y croire. T'as envie de nous laisser l'opportunité de reconstruire notre lien. T'as envie de nous accorder ça. T'as envie que les choses s'arrangent. T'as envie de retrouver ta paix intérieure, ton bien-être intérieur avec moi. Je voudrais dire que malgré tout ce que tu penses, je t'aime. Et si je te fais cette déclaration d'amour, c'est pas pour rien. C'est parce que je sais que ce que tu es en train de vivre en ce moment, c'est compliqué. Que ce que je suis en train de te faire vivre, c'est délicat. C'est difficile. C'est pas confortable. J'ai vraiment envie que tu restes là. J'ai pas envie que tu partes avec quelqu'un d'autre. J'ai pas envie que tu te tournes vers quelqu'un d'autre. Ça me ferait tellement de mal. Je veux que tu restes à croire à notre amour. Parce que je t'aime. Et que ça me déchirait le cœur de te voir avec quelqu'un d'autre. On vit quelque chose de passionnel ensemble. Et tu sais que c'est fort. Tu sais que c'est magnifique. Tu sais que c'est beau. Tu sais aussi que la passion, ça peut être destructeur. Il peut y avoir des hauts. Il peut y avoir des bas. C'est jamais constant. Mais notre relation est basée sur ça. Notre relation est passionnelle. Dès que je te vois, j'ai envie de toi. J'ai envie de t'embrasser, j'ai envie de te serrer dans mes bras, j'ai envie de te faire l'amour. Et ça, c'est quelque chose qui ne se contrôle pas. C'est quelque chose que j'ai jamais vécu. Et je le vis avec toi.
Voilà pour cette canalisation. Le message était magnifique. Likez cette vidéo si ça vous a parlé. Et pour tous ceux qui veulent aller plus loin, pour tous ceux qui se posent des questions et qui veulent savoir si votre autre reviendra, quand il reviendra, parce que vous passez peut-être des nuits à plus savoir, à être déboussolé, à être désemparé, à être triste. Et vous avez besoin maintenant de réponses concrètes. Que vous avez maintenant besoin de savoir exactement où cela vous mène. Et je vous comprends. C'est normal de vouloir savoir. C'est normal de vouloir savoir juste où vous allez tous les deux ensemble. On se retrouve maintenant en consultation privée. Le lien est dans la description de cette vidéo. Je vous dis, prenez soin de vous. À très bientôt. On se retrouve sur Instagram également.